C'est une chanson de Dagger qui est un peu plus large que les autres, qui respire plus. C'est une chanson très agressive, puis j'avais un message à passer sur celle-là. On faisait des balances de son, puis c'est Alex qui a commencé à jouer le riff d'intro. J'ai comme entendu jouer ça, puis j'ai fait « Oh shit, là il y a de quoi, on a de quoi là, c'est cool ». Ça c'est une chanson qui a un tempo un peu différent des autres. C'est une espèce de goût des chansons peut-être des années 90 de punk rock. Quelque chose qu'on a fait différemment cette fois-ci, c'est qu'on a utilisé une guitare avec des pick-up passifs. Donc c'est un son qui est moins moderne, c'est un son qui est plus vintage un peu, donc ça peut expliquer le feeling général de cette chanson-là, te donne un feeling 90 un peu. Pour l'écriture des paroles, celle-là, je me souviens que j'avais une idée mélodique en tête. Directement quand j'ai chanté le refrain, ça a tout de suite cliqué, le back vocal était bon aussi. Le premier couplet où j'avais quelque chose de très précis en tête, ça s'avérait que c'était pas ça. Je pense que j'ai fait au moins 6 versions différentes de différents vocales là-dessus. Je me souviens même qu'à un moment donné, Alex a regardé la session d'enregistrement Cubase. J'avais repris 1000 fois la ligne vocale. Tant que ça me plaisait pas, ben j'allais faire 1000 takes.